Et ouais, j'ai volé YouTube. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Salut les geeks, c'est Adrien. Aujourd'hui, on va faire un méga unboxing parce que je sais que vous appréciez ça. Sur ma chaîne, on en a déjà fait plein. Et je reviens de deux conventions, la Paris Games Week et le Hero Festival. Il y a quelques objets que j'ai achetés, beaucoup d'objets qu'on m'a offerts, quelques-uns que j'ai volés. Et je me suis dit, bon, bah plutôt que d'ouvrir ça de mon côté tout seul, bah je vais en faire profiter les geeks. Moi, il y a pas mal de marques que j'aime. J'aime bien avoir des goodies, j'aime bien avoir des plus gros trucs aussi. Et on va partager ça ensemble. Et pour ceux qui ont suivi ma vidéo du 1er novembre sur le Movember, ma moustache, elle a poussé un petit peu. Il me reste encore 2 semaines à tenir. Alors, c'est parti. Il y a juste le chat que je n'ai. Tu vas t'en. Je ne t'ai pas ramené de convention, toi. On dirait que c'est un petit chat geek. En même temps, il s'appelle Apple. Bon, alors, il y a tellement de choses, je sais pas trop par où commencer. C'est un peu mélangé entre les conventions. On va commencer par ce qu'il y a sur la table. Alors, de la Paris Games Week, j'ai ramené quelques trucs sympas, dont ceci. En fait, si vous voulez, à Paris Games Week, il y avait un salon spécial YouTuber. Il y avait pas mal de petits goodies et de petites décos. J'en ai volé un petit peu, dont ce petit souvenir, voilà. Hashtag Paris Games Week. Mais c'est pas la seule chose que j'ai volé, on va en parler tout de suite. YouTube offrait ça aux YouTubeurs qui étaient présents sur le salon. On avait un petit sac avec à l'intérieur un petit mug Mafia 3, enfin un petit verre en aluminium. Un petit truc à coller sur le frigo aussi, un magnète YouTube Gaming. Il y avait la casquette qui était dedans, donc je ne l'ai pas volée. Quant aux lunettes, je les ai eues à l'apéro tube. Il y avait 3 tasses dans tout le salon YouTube Gaming. J'ai piqué les 3. On nous a dit qu'on avait plus ou moins le droit, donc moi j'ai tout pris. Mais sur les 3, j'ai offert les 3. Ça, c'est celle de Verdose et il m'en reste plus. Je sens que tous les YouTubeurs qui voulaient des tasses YouTube Gaming vont me détester. Mais j'en ai offert 2 à des YouTubeurs, à des YouTubeuses. Ça passe. Les coussins, je les ai volés, il y en avait plein. Pareil, j'en ai volé 3 et j'en ai donné 2 à des potes. J'ai donné beaucoup de choses. Et d'ailleurs, parmi tout ce qu'on va voir, il y a pas mal de choses que je donnais à des amis parce que j'ai des doubles. Ou à ma famille, mon petit frère et ma petite soeur, je suis sûr qu'ils regardent déjà la vidéo et qu'ils font déjà leur liste. Vous m'enverrez un SMS après l'avoir vu, d'accord? Bon, moi j'ai envie de vous parler de ce qu'il y a de plus cool, enfin le plus cool, je sais pas, mais c'est un des plus gros colis que j'ai. C'est ça, c'est un cadeau que m'ont fait mes modérateurs qui étaient présents lors de la Paris Games Week. Ben, vous savez que j'adore Iron Man. Et il y a pas mal de goodies Iron Man qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et c'est tout simplement une statue. Écoutez, je vais la sortir rien que la boîte, elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est stylée, pardon. Et regardez-moi ça. Le niveau de détail est quand même vraiment bien. T'as Iron Man, on dirait qu'il vient de se poser ou qu'il court sur le sol, qu'il explose sous son poids et sa force. Et il fait même un petit check. Enfin, ou alors je crois qu'il lance un missile. Mais je trouve que c'est la plus belle statue que j'ai d'Iron Man. Merci beaucoup les modérateurs, ça fait super plaisir. Toujours dans les figurines, petit cadeau de la part d'une amie. Ici j'ai Captain America. On m'a dit que c'était une édition collector avec son costume d'agent américain. Et ici c'est un abonné, c'est Linox qui m'a offert une pop Iron Man. Alors je me suis rendu compte qu'en fait Quentin m'avait offert la même. Je l'ai en double. Pour faire plaisir à tout le monde, je vais les mélanger. Je veux pas savoir laquelle est à qui. Et à la fin du mois, je vais faire un live caritatif pour des enfants malades. Et on peut rapporter des petits cadeaux pour leur faire plaisir. Donc ce sera l'une des deux. Comme ça tout le monde est content et tout le monde a un petit peu participé. Alors le truc qu'on avait le plus à la Paris Games Week, c'était des t-shirts. J'en ai plein de toutes les marques, de tous les styles. On va commencer par celui-là qui a été offert par une amie, un petit joker, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça me donne envie de me teindre les cheveux en vert. Mais j'ai mon pote Aiki qui s'est déjà teint les cheveux en rouge avec tous ses potes il y a pas très longtemps, on va attendre. Ou alors une autre couleur, je sais pas, vous conseillez quoi, bleu, rouge, j'ai envie de faire des folies en décembre. Bon, écoutez, on va pas passer 10 ans sur les t-shirts, ça va aller très vite, regardez ça. Bon, celui-là, les collecteurs, c'est quand j'ai fait l'event Titanfall qui est sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir. Encore un Titanfall, c'est ce qui était offert à tout le monde sur le stand. Celui-là, il est de chez Nvidia, c'est aussi ce qu'on faisait gagner sur les stands, j'en ai fait gagner pas mal des comme ça, avec des beaux petits poils de chat. Oui, oui, oui. Mais ils étaient pas d'origine, ceux-là. Bon, ça, c'est Kaspersky. Ils sont rattrapés après, vous allez le voir. Celui-là, je sais carrément plus d'où il vient, mais il est plutôt cool. Je crois que c'est chez Xbox. Par contre, ils l'ont pas terminé, hein. Il manque des bouts. Et ce t-shirt, c'est le dernier, c'est celui de la chaîne Les Pizza Guys, où il y a mes potes Tartinex et Madiba qui viennent tout juste d'arriver et qui font des super vidéos. Donc, petite dédicace à vous, les potes. C'est pas tout parce que j'ai aussi taxé un sweat. Et ce sweat, j'ai galéré à l'avoir. C'est un sweat Twitch. Et je pense que tous les streamers, là, ils vont m'en vouloir un petit peu. Sauf que je ne sais pas mettre un sweat. Voilà, Twitch. Bon, il est un petit peu trop grand et il sent un petit peu parce que je l'ai pas mal porté tellement j'en étais fier. Mais ça, ça fait super plaisir. Enfin, pas qu'il pue, hein, de la. Bon, et les casquettes, c'est à peu près pareil. Ça, c'est un abonné qui me l'a donné. Je crois qu'il l'a donné sur un stand. Casquette Vitality. J'ai aussi une casquette Gunnar, mais j'en avais déjà une. Voilà, elle est sur mon vase, qui n'est plus un vase, mais un porte-casquette. Pareil, je l'offrirai à un pote ou mon petit frère s'il la veut. Bon, et cette casquette, c'est un autre objet que j'ai volé, mais je vous jure, celui-là, j'ai pas fait exprès. C'était en partant du salon YouTube. J'ai fait tomber mes affaires, et dedans, il y avait ça en fait, et elle est carrément pas à moi. Je sais pas du tout à qui elle appartient, mais à toi à qui j'ai volé cette casquette, je te la rends volontiers. Si tu sais me dire exactement où elle était rangée dans le petit salon YouTube. Bon bah déjà là je vais avoir pas mal de trucs à plier et je crois qu'on a même pas fait la moitié de ce que j'avais. Pour finir avec ce qu'il y avait sur la table, on a quoi? Alors ça je l'ai pas acheté à la Paris Games Week mais au Hero Festival. Un petit livre sur la gastronomie geek, peut-être que je vous en reparlerai en vidéo ou pas, mais il est vraiment cool, mais il a l'air d'être vraiment compliqué. Fast Food Cuisine, si vous pouvez le notifier ou si tu passes par là, bah j'ai vraiment besoin de ton aide je pense. Je vous avais dit que Kaspersky allait se rattraper lors d'une soirée, ils ont offert quelques petits objets à des youtubeurs, dont ces lunettes que je surkiffe. J'y vais les mettre tout de suite parce que je les adore. Et d'ailleurs peut-être que vous allez
voir Verdose qui est en train de cadrer cette vidéo. Coucou Verdose. Et d'ailleurs Kaspersky, tous les autres youtubeurs, ils ont eu un thermos. Et pas moi. Je vais pleurer. Couleur Master, waouh, ils ont sorti ça. Et ça a l'air vraiment d'être plutôt badass. En plus j'ai cassé mon casque Blue Yeti. Et franchement il est plutôt stylé. Déjà il est sobre, il est noir et un petit peu rouge, fil rouge, plutôt cool. Finition en acier, coussin en cuir ou simili cuir. Et attention, oh, j'entends plus très bien ce qu'il y a autour. Donc il isole bien les sons extérieurs. Et pour le reste je le testerai un peu plus tard. Mais plutôt beau produit Couleur Master. Là je suis impressionné, félicitations. Bon en vrai j'ai voulu essayer d'avoir le clavier mais ils en avaient pas sur le coup. Donc Couleur Master si vous passez par là ben ça me ferait plaisir. On a aussi ce tapis de souris, toujours de chez Couleur Master, le Swift RX XL. Toujours plus les gars. D'ailleurs j'en profite pour vous dire les geeks hein, je suis sponsorisé sur aucun des produits. Je pense que les marques sont contentes qu'on en parle dans une vidéo ou autre. Mais là je découvre en même temps que vous. Ah ouais quand même, ah oui, donc c'est XL quoi, il rigole pas les gars. Ah il est aussi grand que moi. Bon voici mon bureau, il est pas extrêmement bien rangé mais au moins comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Avant moi j'ai un tapis de souris Rocatalunique que je vous avais présenté dans ma vidéo setup. Il est en acier, le problème c'est qu'il a perdu ses deux antidérapants là en l'espace de moins d'un an. J'étais un petit peu déçu de ça d'ailleurs. J'ai jamais testé de tapis de souris XL. Et voilà, bon c'est vrai que ça prend de la place. Ça donne un tout autre design à ton bureau et à ton setup. Je pense que c'est plutôt pas mal, au moins il y aura plus le toucher froid du bureau. Mais il faudra pas que je renverse des choses dessus. On verra un petit peu après quelques jours d'usage. Allez viens on retourne un petit peu découvrir le bordel. Bon je crois qu'on a terminé avec tout le bordel qui était sur la table. Et il nous en reste encore pas mal derrière. C'est un petit peu des fourre-tout. J'ai volé des sacs de chez Nvidia. J'ai volé ceci qu'on a fait gagner, voilà, sur scène. Un doigt. Il y a un abonné qui m'a offert ceci. Ça, c'était au Hero Festival. Et attention, vous allez voir, c'est du lourd. Franchement, merci à toi. On a un super beau Dark Vador. En plus, noir, blanc, rouge, c'est mes coloris. Bon, et après, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Kaspersky, il y avait aussi. Ça, c'est pas mal. Je savais pas que ça existait. Il y a pas mal de gens qui me disent fais attention avec ta carte bancaire. Parce que moi, c'est une carte sans contact. Et ben, ça, c'est un truc. Tu mets ta carte bancaire sans contact dedans. Et on pourra pas te la. Après il y a des petits ballons de chez Twitch, des petits ballons de Nvidia, encore Kaspersky qui m'ont gâté hein, décidément. Petite batterie qui est de la taille d'une carte bancaire de 1500 mAh, c'est pas mal. Ici on a d'autres goodies dans ce deuxième sac de chez Nvidia. Pareil là il y a Watch Dogs 2, le petit fuck. Alors pour l'anecdote en fait on en a eu deux avec Quentin. Et le chat de Quentin il a fait ses griffes sur le mien. Donc je t'annonce Quentin que ça c'est pas le mien mais c'est le tien hein. Et que le mien tout griffé je l'ai mis à ta place. Et là oh tiens j'avais encore des t-shirts. Alors ça c'est offert par un abonné LOLSTAR, merci beaucoup à toi. Un Iron Man et un deuxième Iron Man old school, ça me fait super plaisir. Bon allez, je vais tester au moins un des deux. Et bah super bien, merci beaucoup à toi. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui sont venus me donner des petits courriers à manger. J'ai tout mangé, j'ai rien à vous montrer, mais j'ai eu des chocolats suisses, des Reese's. On m'a fait des cookies, c'était vraiment super. Et tous les petits messages que vous m'avez fait, merci énormément les geeks. Et en fait c'est mon dernier sac, d'ailleurs que des copains, hein, des Pizza Guys. Et dedans c'est tout ce que vous m'avez offert, toutes les petites lettres. Et je vais les garder pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont un peu personnelles. Je vais vous montrer les objets, c'est plus drôle. Alors ça c'est quelqu'un qui m'a donné ça lors d'une séance de dédicace et franchement j'ai pas compris pourquoi mais je crois qu'il voulait s'en débarrasser. Mais écoute ça fait plaisir quand même. Il y a mon pote gamer Anonymous qui m'a donné un masque et je le trouve plutôt stylé, c'est fait pour Vendetta. J'ai une cravate de Hitman, alors celle-là je la voulais, j'ai pas réussi à l'avoir sur le stand. Et c'est un abonné qui me l'a ramené, encore une fois merci beaucoup à toi. Et c'est une vraie cravate hein, je pourrais la mettre avec un costume ou quoi. Juste derrière c'est noté, je sais pas si vous allez voir, Hitman, c'est la cravate officielle. Bon je peux pas la porter là maintenant mais plutôt sympa, j'ai pas de cravate rouge et je trouve ça hyper cool. Un objet comme ça, qui a un goodies que tu peux porter dans la vraie vie, enfin c'est cool. C'est pas comme cette perruque par exemple, reste du chocolat suisse, ça c'est cool. Un abonné m'a offert une super carte Pokémon, je joue pas au Pokémon mais au moins j'espère que ça fera rager David Lapage. Parmi les petites choses que vous m'avez fait des super trucs. Vous savez que j'ai un caca dans mon décor, ça fait bizarre dit comme ça. Mais il y a un abonné qui m'a fait ce petit caca et c'est plutôt super bien fait, c'est fait en pâte Fimo. Merci beaucoup à toi, ça fait bizarre de remercier quelqu'un pour un caca. J'ai eu aussi un petit porte-clés que j'ai déjà en fait, celui-là je l'ai déjà, Iron Man. Alors c'est le problème avec Iron Man, vu que j'ai beaucoup de choses à Iron Man, des fois on m'offre des trucs que j'ai déjà. Mais je pense que tous les objets que j'ai en double de ce type, qui sont plutôt sympas, je vais tous les conserver, puis je les offrirai, je pense à des associations ou des amis. Mais en tout cas ça fait toujours très plaisir. Alors dessus je vois c'est marqué par Studio Link, alors je crois que c'est lui qui a fait ce magnifique logo Geek Gang. Le Geek Gang c'est nous, c'est notre communauté les geeks. Et il y a de ça un an, jour pour jour, j'avais lancé des petits t-shirts qui avaient ce logo là, le Geek Gang, et lui il m'a fait ça avec ça, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un peu la mode en ce moment. Et surtout il m'a fait un truc qui déchire tout, c'est un Iron Man, voilà, il tient debout, c'est trop bien fait. Ça me touche trop que quelqu'un ait pris du temps pour faire ça et...
Et c'est chouette quoi, il est vraiment cool lui. Bon, je crois qu'on arrive à la fin. Alors oui, non, par contre il y a un abonné, je sais pas. J'ai pris une photo avec lui, il m'a dit tiens Adrien, c'est pour toi. C'est une batterie externe, 2500 mAh, mais j'ai l'impression mec que t'as voulu t'en débarrasser, on est d'accord parce qu'il était rose. Je vais donner à ma petite soeur si c'est ça. Et enfin, pas mal de courriers, pas mal de dessins, c'est vraiment super super gentil. Je tenais tout simplement à vous remercier. Regardez-moi ça, ça c'est un très très beau dessin, Iron Man. Très très bien fait. Et il y a aussi Or269 qui est venu faire sa pub, je crois que c'était au Hero Festival si je dis pas de bêtises. Il m'a donné une petite affiche. Si vous prenez la feuille que je viens de vous donner, c'est que vous allez aimer ma chaîne. Salut cher internaute. Sur ma chaîne, je vous propose des vidéos gaming, des vidéos IRL, des vidéos complètement what the fuck. C'était un petit jeune, il était cool. Voilà, allez le voir, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, les jeunes, ils sont pas en reste. Puisque j'en ai un autre qui m'a carrément donné une carte de visite. Mais attendez, mais moi les gars, j'ai pas de carte de visite. Et les jeunes de maintenant, ils en ont. C'est Yveni. Voilà, la chaîne YouTube. Allez la voir, allez leur dire bonjour de ma part. Ça fait plaisir. Ça, les geeks, c'est un tableau. Vous inquiétez pas, il est à l'envers. Hein. C'est parce que je garde le suspense. Parce qu'il y en a qui se sont dit, mais c'est quoi ce tableau? Que j'ai vu au Hero Festival. Et j'ai demandé au gars s'il était possible de le faire personnaliser. Il m'a dit oui, pas de problème. Et attention. Et regardez-moi ça, un Iron Man peint à la main. Et le truc qui est vraiment formidable, c'est que le gars il a rajouté un Adri Geek sur l'armure comme si c'était gravé. Et pourtant il l'a fait après, mais je trouve que ça passe tellement bien. Il y a beaucoup de choses que j'adore ici, mais mon cœur je pense il ira le plus à cette toile. Voilà, pour le côté Iron Man, pour le côté personnalisé, c'est vraiment cool. Voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous, les geeks. C'était pas du tout pour étaler ce que j'ai eu la chance d'avoir ou ce qu'on m'a offert, ni pour faire des placements de produits ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit que ça pourrait être cool à partager avec vous. Par exemple, dites-moi ce que vous avez réussi à voir si vous étiez présent à l'une ou l'autre convention. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir? Qu'est-ce que vous avez préféré? Et je sais que j'ai pas sorti mon vlog Paris Games Week, je sais, on est en retard, je le sais. C'est un plaisir les geeks, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme toujours, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oui, je sais, faut que je fasse du gaming, écoutez, en ce moment j'en ai plus fait. Mais je me porte très bien comme ça, vous avez l'air d'avoir kiffé, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vous aime les geeks, en tout cas c'est le plus important. On se retrouve très vite à des conventions, je pense qu'on en fera pas avant 2017, mais il y en aura c'est sûr. Je sais pas pourquoi je crie, et revenez voir juste un truc. Regardez ce petit chat qui m'a embêté au début de la vidéo, et ben là il est plutôt posé, se repose. Et ben je vais aller me reposer aussi les geeks, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous dis à la prochaine, et puis miaou.